Bonjour à toutes et tous, je suis Florine Mérès, je suis avocat au barreau de la Drôme depuis une quinzaine d'années environ, titulaire du certificat de spécialité en droit du travail délivré par le Conseil national des barreaux, et j'aurai le plaisir de co-animer le module relatif au droit de retrait à Sciences Po Ex. Le droit de retrait a toujours été l'exercice d'un droit individuel important dans l'histoire de l'entreprise, mais il a pris une tournure particulièrement importante à raison des derniers événements de pandémie, et on s'est retrouvé du jour au lendemain à avoir effectivement un recours massif à l'exercice de ce droit, auquel les entreprises ont dû évidemment s'adapter pour pouvoir avoir le vivier de production nécessaire, particulièrement dans les entreprises de l'agroalimentaire, ne pas commettre d'erreurs sur le plan de la sécurité du travail, pouvoir éventuellement sanctionner et faire les retenues adaptées. À l'inverse, on a eu beaucoup de questions concernant les salariés qui ont souhaité se protéger, se retirer d'une situation considérée comme dangereuse et pour lesquelles il a fallu mettre en œuvre ce droit de retrait que l'on découvrait alors qu'il était effectivement prévu dans notre arsenal législatif depuis fort longtemps. Évidemment, oui, et nous le verrons ensemble, parce que il est plus que jamais nécessaire de repenser les outils de travail en matière de santé et de sécurité, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez déjà du règlement intérieur, du document unique, des offres de consultation des représentants du personnel. On va s'interroger également sur les pratiques des entreprises, sur leur capacité de s'adapter dans une période de pandémie. Voilà, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très prochainement. Thank you.